aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours pratiqué l'apnée. Je prenais un masque trop grand, des palmes trop grandes, et j'allais dans l'eau, limité par juste la pression sur mes tympans. Je me suis inscrit dans un club à Brest, et j'ai commencé à faire de l'apnée avec de la performance, pour faire des compétitions, pour rester plus longtemps au fond, pour descendre plus profond. Et puis, sur la dernière descente que j'ai pu faire, aux alentours d'un petit peu plus de 70 mètres, je me demandais à quoi ça sert. Je suis en train de m'enfermer autour d'un câble, fermer les yeux, alors que je devrais être ouvert sur le monde entier, quoi. Il y a un océan autour de moi, et moi je suis dans ma bulle. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu utiliser l'apnée comme une fin, mais plutôt comme un moyen de vivre pleinement au contact de tout ce qu'il y a sous l'eau. J'étais à droite, à gauche, et là je reviens ici, vraiment au contact de mes premiers amours sous-marins. À l'image des marées, nos vies sont faites de bascules, de passages à négocier. Par l'apnée, Franck Daouben a choisi de rester au contact de la beauté du monde. Le sien s'appelle l'Abervrac. Salut Franck! Salut Marine! Tu vas bien? Nickel! Et toi? T'es content de te voir? Ça fait plaisir. C'est royal là, on va partir pique-niquer alors tous les deux. Ouais, c'est ça, ouais, enfin pique-niquer, on verra quoi, hein, parce que là tu te rends compte que les conditions elles sont peut-être pas celles qu'on voit ici. Dehors c'est un petit peu différent. Là ils ont prévu quoi aujourd'hui? 100 km/h de vent. Ah d'accord. Ouais. Je t'aide à le mettre à l'eau? Je vais récupérer une partie parce qu'il part fort en fait. Ouais, il part bien. Ouais. Alors, il est pas mal. Hop là, bah nickel. Là on a du mal à imaginer les 100 km/h de vent, Franck quand même. Ouais, je sais, ouais. On est vraiment à l'abri ici, avec des vents dominants. C'est pour ça que cette cale est parfaite. Tu peux mettre à l'eau en tout temps, quasiment. Sauf quand t'as des vents d'est. T'es pieds nus, toi? Bah ouais, elle s'est réchauffée. Ouais. Elle est à 12 degrés, quand même, non? On va commencer par quoi, alors, si on met le pique-nique de côté? Eh ben, on va aller se balader plus dans l'intérieur de la mer, tu vois, rester à l'abri. On a une balade qu'on aime bien faire par là-bas, tu vois, on remonte dans les terres. C'est une balade qui est bien sympa. Tu la connais par cœur, cette côte, ouais, que tu vas me faire découvrir. Bah ouais, c'est ça. Quand on observe un peu ce territoire, j'ai l'impression de comprendre un tout petit peu pourquoi tu vis ici, en fait. Bah ici, t'as tout, en fait, mais tu mets du temps à le comprendre. Tu cherches des destinations extrêmes et tu te retrouves ici sur la dune un jour de tempête, mais tu l'as ta destination extrême. Tu cherches des couleurs, tu vas sous l'eau, tu les as tes couleurs. Il faut savoir que toi aussi, avant de poser valise à la Abervrac ici, tu as énormément voyagé. Ouais, bah, par mon métier quoi. Mon métier ça m'a fait, avant j'étais plongeur dans l'armée, Bosco, ça m'a fait énormément voyager et j'avais toujours du plaisir à revenir ici. Et sur 20 ans, je dirais qu'il y a 20 ans, quasiment de plaisir. Ouais. Je trouve que toutes les expériences, tout ce que ça m'a apporté, c'est vraiment énorme. Énorme et c'est un cheminement qui m'amène aujourd'hui ici. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu le décris? Comment il te parle, cet Aber? Bah, tu te sens forcément bien, peu importe les conditions. C'est vraiment... là, tu vois, on n'a pas besoin de parler fort. C'est de la détente, c'est... Tu te sens au milieu de la nature. Là, si tu coupes le moteur, t'entends les oiseaux, t'entends... On essaye? Ouais. Tu viens souvent tout seul faire ça? Je viens tout, ouais. Je viens souvent seul en mer. Ouais. Ici,
Franck a trouvé son île. Peuplé de ses enfants et de Célia, sa femme, avec qui il partage la même passion pour l'élément marin. Il me disait en arrivant, tu vois, quand je regarde au loin, là, je préférerais être dans les airs. Parce que c'est vrai qu'il paraît qu'on va aller, nous, sous l'eau toutes les deux. Je crois que je suis pas très... je suis pas prête, là. T'es pas prête ? Avec 100 km/h devant, t'es sûre ? T'inquiète pas, regarde, t'as vu la couleur ? Non, non, il y a un peu de visi et on sera très, très bien dans l'eau plutôt que sur la plage. Donc ça va être chouette. Vous vous êtes rencontrés lors d'un stage de plongée à l'Abervrac. Alors, c'était pas un stage, non, c'était juste une partie de chasse. D'accord. Tu sais, de chasse sous-marine. Ok, de chasse sous-marine. En fait, Franck était avec un copain, il nous a vus juste à la baie d'en face. Donc, il est monté dans sa voiture et il est arrivé nous voir. Donc, la première fois que j'ai vu Franck, il était en combinaison, en train de conduire sa voiture, okay, avec sa capuche, sa cagoule, tout quoi. D'accord. Voilà. Et là, tu t'es dit, waouh, c'est l'homme du grand bleu. Et t'es tombée tout de suite amoureuse. Pas du tout. Ah, okay. Non, non, non. C'est vrai que ça n'a pas été le coup de foudre, ça a été une rencontre. Et ben. Ouais, c'est ça. Et petit à petit. Et ah, petit bah, à petit, petite... ça a donné ça. Ça a donné ça, la pitchoune. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça va, mon cœur. Maman. Ma fille. Bonjour, madame. Bonjour. C'est ma maman. C'est la mamounette. Comment ça va? Mais venez ici avec nous. Coucou, Nel. Hop, on est un peu à l'abri ici. Ma chérie, c'était bien chérie. Et Nel, ouais, est-ce qu'elle va sous l'eau, Nel? Ouais. T'es déjà allée sous l'eau? Oui. Et tu faisais quoi sous l'eau? Je regardais les poissons. C'est vrai? Nel, c'est vrai qu'elle a... Je trouve qu'elle a la même, le même bien-être dans l'eau que nous, en fait. Et c'est très marrant de la regarder. Moi, j'adore la regarder. Parce qu'en fait, par exemple, elle va sauter. Et elle va se laisser couler au fond de la piscine, tu vois. Et elle va regarder toutes les bulles qu'elle a fait, comme ça, dans l'émerveillement. Est-ce que Nel, elle peut me donner quelques coachings un peu? Qu'est-ce que tu dirais à Marine, Nelou, pour qu'elle reste le plus longtemps sous l'eau, regarder les poissons? Ouais, dirais quoi? Tu me conseillerais quoi? Un tuba. Un tuba. N'écoutant que mon courage et les conseils de Nel, je me jette à l'eau. Ça tourne au son ? Alors on est dans le dur là ! Punaise, tu m'as dit l'apnée c'est de la détente, c'est calme, on est dans 100 nœuds de vent, et on est là. C'est ça, on est là. Alors là, c'est vrai qu'on a des conditions extrêmes de chez extrêmes. Alors ce qu'on dit en apnée d'ailleurs sur les conditions, c'est que en fait, faut pas se laisser perturber trop par ce qui t'entoure. Ça peut être un moyen aussi pour toi de trop centrer et de trop sentir dans ta bulle. Et ta dernière inspiration, il faut qu'elle soit la plus complète possible. En fait, pour ça, tu vas devoir aussi expirer tout ton air. Même quand tu penses que tu ne peux plus expirer, tu vas voir que tu peux quand même le faire. Ok. Ah, moi, je respire là. Je veux t'assurer que je suis plein poumon. Je suis plein poumon. C'est parfait. Alors, on commence par quoi? On commence. Tu vas t'allonger dans l'eau. Je vais te tenir. L'épaisse couche de néoprène m'aide à supporter la fraîcheur de l'eau. Voilà, tu peux lâcher la bouée très vite. Et là, en fait, tu te sers des vagues pour te détendre. Pour l'équipe de tournage, en revanche, c'est une autre affaire. Capturer cette séquence tient du miracle, tant caméra et micro manquent de s'envoler à chaque bourrasque. J'étais bien là. T'étais bien là. Ah ouais, j'étais bien là. Voilà. Donc ça, c'est des clés là, de se détendre et de prendre une bonne respiration, c'est vraiment des clés importantes. Moi, celle qui fonctionne le mieux avec moi, c'est vraiment de prendre du plaisir et d'aller, de se sentir faire un avec la mer en fait, de se sentir faire partie de tout ça. Et s'émerveiller devant une crevette, devant une lame qui bouge, devant toute cette magie en fait que nous offre la mer et l'eau. Donc si tu veux, on peut... mettre notre masque, nos palmes, et puis aller... Et prendre du plaisir. Voilà, se sentir... Avec joie. Génial. Je te suis. Go. Je vais chercher tes palmes, c'est tout. Ah oui. Ouais, ce serait peut-être bien que j'ai mes palmes, en fait. Bien joué, Marine. Hé hey, hé hey.
pas les perdre, c'est quoi. Putain. Franck nous rejoint. Comme avec Célia, son aisance dans l'eau m'apaise. Il se joue de cette mer agitée pour faire corps avec les éléments. Alors pour tous les imprévus, j'ai peut-être pas la formule magique, mais j'ai tendance à dire que en apnée, il n'y a jamais d'échec. Même si tu n'arrives pas à l'objectif, chacune des immersions, ça va t'aider pour la suivante. Donc en fait, c'est jamais un échec, c'est juste apprendre différemment, apprendre avec quelque chose qui ne va pas. Et forcément, tu vas t'adapter. Vas-y, resserre celui-là. Elle n'était pas du tout serrée. Même à terre, le lien s'exprime encore et toujours à travers la mer. Pour que Mélène, par exemple, le fils aîné, devienne lui aussi le capitaine de son propre navire. Ouais, tout au bout. Ok, ça roule. Il a ça en tête depuis qu'il est gamin, il veut avoir un chantier naval. Et il m'a dit, mais si je commence maintenant, est-ce que, à 18 ans, j'aurai beaucoup de bateaux et... Je fais, écoute, si tu veux, ouais, tu peux commencer maintenant. Il y a un optimiste dans le jardin, tu le vends. Et puis, il a vendu son optimiste, il a racheté un bateau. On l'a retapé tous les deux. Il l'a revendu, ça lui a permis d'acheter celui-là et le katak. Celui sur lequel on est assis. Ouais, c'est ça. Mais on est d'accord que c'est de la déco, quoi. Oui, celui-là, il ne naviguera plus. Il l'a découpé derrière pour faire une cabane à sa petite sœur. Ah, c'est génial. Et cette notion, justement, de transmission, c'est primordial dans l'éducation que tu as envie de donner à tes enfants. En fait, c'est de façon inconsciente. Mm. Ouais, c'est pas, allez, il faut absolument que je fasse ça. C'est que naturellement, tu vois, au jour le jour, ben ouais, ça se fait comme ça. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as des personnes comme ça qui t'ont inspiré, qui t'ont un petit peu guidé? Oui, bien sûr. Ouais. En fait, j'avais un pilier, tu vois, c'est mon grand-père. Mon grand-père, il m'a tout transmis, mais de A à Z. Il m'a façonné sans me brider. Et j'allais en mer avec lui quand j'étais minot, et il m'a transmis tout ça, quoi. Ça fait 13 ans qu'il est décédé et je pense régulièrement à lui, tu vois, à plein de choses que j'ai pu vivre après son décès où j'aurais aimé qu'il soit là, tu vois, que je puisse partager encore avec lui, montrer que bah, tout ce qu'il m'a enseigné, ça a servi à quelque chose, quoi. Et comment t'expliques ton grand-père et pas ton père? C'est-à-dire que ça a sauté une génération ou ta maman, par exemple? Ouais, ça a sauté une génération. Il y a des fois comme ça, il y a des générations qui servent à rien, ouais. Et on passe à l'autre. On passe à l'autre, et on apprend parfait. Quelque chose. Ouais, c'est ça. Et donc, à cette compétition, vous avez... Comme tous les jeudis, Franck reçoit sa meute. C'est le nom qu'il donne à sa bande de copains. Compétiteurs ou non, ils sont tous apnéistes et membres de l'association Les Enfants de l'Océan. J'ai fait dynamique monopalme, dynamique sans palme. Et 8 fois 50. Attention, tu ne pas sa casquette d'ancien compétiteur. Vice-champion de France, attends. Ancien champion. Et quand on est vice-champion de France, Yann, c'est combien de minutes en apnée statique? Un peu plus de 7 minutes. Un peu plus de 7 minutes. Ouais. 7 minutes sans respirer. C'est ça. Est-ce que la pratique de l'apnée vous a paradoxalement réappris à respirer dans votre vie de tous les jours? À prendre conscience de ta ventilation, ouais. Oui, c'est ça. Parce que tu t'entends. Attends, c'est pas le rythme normal. Mais en fait, comme on est au quotidien, à chaque fois qu'on pratique, on fait attention à ça, à la ventilation. Quand tu commences à monter dans les tours, des choses comme ça permet carrément de la temporiser. Okay.
Après, au-delà de l'apnée, c'est plus vraiment ce côté le sorti. Ouais, l'entourage a changé déjà. C'est vrai. Ouais, je suis avec des gens plus vieux. Non, mais c'est plus ce lien avec la mer, vraiment, je reviens à ça, même si là, je suis sur une période en plus à fond sur l'apnée compétition, piscine, et je trouve plein de bonnes choses dedans. Je dirais pas que quand je rentre, je suis forcément plus zen grâce à l'apnée, ouais. Même si ça apporte une méthodologie, une maîtrise quand il y a besoin. Mais par contre, le lien avec la mer, le fait d'avoir besoin régulièrement de sortir en mer, d'échanger avec des gens qui ont des histoires de mer aussi, en fait, moi, ça m'apporte ça, du coup. Ça m'a changé ça, en tout cas, quoi. Parce que là, indépendamment de toutes les compétitions que vous allez mener, etc., il y a quand même des enfants derrière cette association qui vont découvrir de manière extrêmement simple la beauté de l'invisible, quoi. Ouais, mais même avant cela, on a organisé pas mal de trucs entre adultes d'abord, tu vois, sur des expés à droite à gauche. Olivier a été dans les canaux de Patagonie, faire de l'apnée. L'année suivante, moi, j'étais en Antarctique. On a été en Islande. Enfin, voilà, on a fait plein de choses comme ça. À chaque fois, on s'arrangeait pour amener des vidéos, des images qu'on pouvait diffuser dans les écoles en montrant la beauté des choses. La préparation du matériel est minutieuse pour optimiser la durée du changement de tenue. Malgré cela, le froid nous pique. L'expérience islandaise a forgé un groupe, puis a donné naissance à une association, Les Enfants de l'Océan, avec laquelle ils mènent des actions de sensibilisation à l'environnement marin. La faille s'évase sur une vasque. Je sonde vers le fond. On a fait un projet avec des enfants, là, ici, de la côte, et on les a amenés aux Açores. OK. Et ouais, il y avait un pompier volontaire, il y avait une directrice de colonie de vacances, on avait une scientifique avec nous, avec, tous apnéistes, tu vois, et qui dit, bah ouais, bah, moi, je peux venir, je peux participer à ce projet-là, je peux... Et c'est comme ça que ça a marché. OK. Et là-dessus, Yo a suivi toute la préparation, le voyage et même le retour où les gamins ont animé des conférences. Il a filmé tout ça pour en faire un documentaire, un 52 minutes. Et vous avez des images, je peux voir ça? Ouais. On a des images. Ah, yes! Yes. Et là, on avance, les enfants. Mets le masque sur les yeux. Oh, j'ai un petit peu peur. C'est normal. Normal d'avoir peur. C'est la première fois que tu sautes dans l'eau. Mmh. Ouais. Ben moi, c'était pareil la première fois. Et puis après, on y prend goût. Donc on va y aller, tout doucement. Vous allez vous accrocher à moi. D'accord? Chacun une épaule. Moi, je vais vous amener par là-bas où il y a moins d'eau. Et puis on va aller regarder ce qu'il y a. OK? Allez, tout ça. On regarde le fond. Et on va avancer par là-bas. Allez, Alex, je t'attends. T'es le premier. Ok, tu fais attention à la poignée là, qui est juste en dessous de toi, tu mets la main dessus et tu descends tranquillement. Alors, comment ça va? Ok, accroche-toi au bout. Allez, à vous. Ça va, Alex? Ouais, c'est cool. Tu peux mettre la tête dans l'eau et regarder comment ça se passe. Allez, on s'accroche et on va par là-bas. Mettez la tête dans l'eau, regardez ce que vous... Et dites-moi si vous voyez quelque chose. En train de regarder les poissons sous l'eau, regarde. Elle adore ce film. C'est vrai? Regarde tout le temps. Tu l'as déjà vu, le film de papa? Tu veux t'as ça sur Yo? Oui. Ah oui. Ça te fait quoi, Nel, quand tu vois ça? Ça me fait penser de la mer. Pour aller en bateau avec papa. Ok, on s'accroche au bateau. Yes. Ok. Fais remonter. Nel l'entendra certainement plus tard, mais son père a déjà eu plusieurs vies. Des expériences singulières lorsqu'il était encore plongeur au sein de la Marine nationale.
Nico me serre la main doucement, mais fermement. Je dirige mon regard vers ce qu'il me désigne. Devant nous, il y a des corps plaqués partout, au pont recouvrant notre champ de vision, du centre du boutre à l'arrière. Combien ? Des dizaines, c'est sûr. Une centaine, Franck peut-être. Franck m'a confié la lecture de Porsgouen au golfe d'Aden, son premier roman dans lequel il décrit le naufrage d'un bateau traditionnel devant les côtes de l'Afrique de l'Est. Il avait alors 31 ans. J'en attrape un deuxième qui est pris sur le tillac et le fait passer à travers le sabord. Et je remonte vers la surface, un cadavre au bout de chaque bras. Ils sont sur un bateau pour un pèlerinage. La mer est belle, il n'y a pas une vague. Il n'y a vraiment pas une vague, c'est juste un problème de chargement. C'est un bateau rond, voilà, qui était fait pour du fret, et tout le monde était sur les hauts. Ce qui fait qu'au premier virement de bord, il s'est retourné. Donc pour eux, l'instant d'avant, tout va bien, quoi. Et puis après, ben, certains ont tout perdu. Donc ouais, ben, ça te permet de relativiser pendant un temps, et puis après tu oublies, tu rentres dans ta routine, puis tu peux pas vivre à faire à 100% tout le temps. C'est comme si c'était le dernier jour. Faire la lumière dans l'obscurité, en apnée comme à terre, l'homme perce la surface des choses pour en révéler la beauté. Franck ? Ça va ? Ben oui, ça va. Ça y est, t'as trouvé l'endroit ? C'est... Je ne savais pas que t'allais me donner rendez-vous là. C'est un peu flippant quand même pour te retrouver. Ouais, ça s'appelle le pont du diable. Pour le moment, tu le vois pas. Il va apparaître avec la marée. Ouais. Et en fait, ouais, il faut être là quand c'est la nature qui décide. Quand la marée sera suffisamment basse pour qu'il apparaisse et que je puisse faire quelques photos un petit peu particulières. T'as toujours été comme ça, connecté à cette nature? Ou est-ce qu'il y a eu un moment qui a marqué cette découverte, quoi? Ouais, un hivernage au Kerguelen, tu vois, ça marque. 13 mois là-bas, là, sur l'archipel. Alors, ils appellent ça l'île de la désolation, mais moi, je trouve que c'est un endroit qui est splendide. C'est la plus belle expérience pro que j'ai pu avoir. Qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi tes missions? Bon, moi, j'étais bosco, j'étais plongeur, ok. Mais t'es aussi aide radiologiste, tu peux être aide chirurgien, tu peux être barman, tu peux... Enfin, voilà, tu sers la communauté. D'accord. Vraiment, t'as une vie communautaire qui est très, très riche. Ouais, on pourrait dire que c'est l'an zéro, tu vois, de la nouvelle vie. C'est vraiment ce passage-là où tu prends conscience du monde qui t'entoure. Auparavant, j'étais juste un passager de la vie. Et à partir de là, j'ai commencé à monter des expés, j'ai commencé à partir plus loin, à ramener des images, à montrer que le monde est vachement beau. Ouais. On peut prendre quelques photos ensemble? Ouais, bien sûr. Parce que là, on est dans l'an combien, alors, maintenant, aujourd'hui? Si c'était l'an zéro, les Kerguelen, aujourd'hui, on est où, là? Ça serait l'an 13. L'an 13? Ouais, l'an 13. Ok, ça, c'est pas mal. On a préparé cette émission, tu nous as dit une chose, ce sentiment un peu d'être un imposteur, de pas mériter qu'on puisse faire un film ou un reportage sur moi. Cette notion d'imposteur, est-ce que tu l'as toujours eu? À partir du moment où j'ai commencé à faire des choses où il y a eu un regard, ouais. Ouais. Tu vois, où les gens ils disent waouh. Je fais, ben pourquoi waouh? Tu vois, je fais avec les moyens que j'ai et des trucs qui sont pas extraordinaires. Mais en fait, est-ce que c'est pas aussi intéressant grâce à cette pratique, grâce à l'apnée? Est-ce que ça te rappelle pas un peu, quand t'es sur Terre, que t'es rien du tout, quoi? Ben, lors de toutes mes rencontres animalières, mais plus particulièrement maintenant avec Buddy, là, ce jeune phoque qui vient me voir quasiment une sortie sur deux, c'est que t'es chez lui, quoi. Tu vois, il t'accepte, il vient te voir. Il se rapproche et c'est comme si j'existais pas. Des fois, tu vois, moi, cette année, j'ai eu la chance d'être à l'eau tout l'hiver et donc de venir régulièrement sur son territoire de chasse.
Donc peut-être qu'il voilà, il accepterait tous les gens qui feraient comme moi. Tu vois, je ne suis pas un privilégié, je suis pas, j'ai pas cette... ouais, t'es l'élu, je suis pas l'élu. Tu vois, il m'autorise tout ça.